es-tu? For your honor, qui es-tu? On peut se voiler la face ici bas sur la terre, mais là où c'est pas possible, il y a une chose. Reçois la parole de Dieu. Reçois le Saint-Esprit en toi. Afin de ranimer la flamme. Afin que tu puisses accomplir le projet de Dieu. Mais Dieu ne travaille pas dans le désordre. À chaque fois, Dieu propre a pris un homme. Lorsque Dieu s'est résolu de délivrer Israël entre les mains de Madianites, Dieu est passé par Gideon. Satan ne fiche pas mal, il a peur. Donc toute personne qui est avec Dieu, obéissant à Dieu, marchant avec Dieu. Voici le modèle et architectural de la personne devant laquelle Satan tombe. Écoutez, un sac, voilà. Comprenez que si nous obéissons, la bénédiction du Seigneur descend comme la pluie qui arrose. C'est exactement comme disait le Père spirituel. L'observation de la parole de Dieu engendre la bénédiction. Puisse Dieu nous donner d'être des obéissants au nom de Jésus. Notre texte de base de lecture se trouve dans Juges, chapitre 7. Donc, juge le chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 22. Juge chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. Si vous y êtes, nous lisons. Balal yungo jusoba ye la zidion ya. Yikin mandien. Neba sik zingi tebo imam konfo panga tef tomba fosan je talabe ngalatin king tin jab ne bamba before ne vra kona pura ring king sik zingi wa ntikelaga abwama de fosunan le bra kenken tef king tin jab ne bamba azidone ra kona pura kingame ntazininga beba sik zingi gudba sembewa Mandien, ne Amalek, neba, la ouyoron neba, sembe ya ngafa, rabe tenga longe, ya ouzo wa suya, la biouma la rankatwen en sorye. Abo wa ouzo wa binzili, sembe koum nori. Azidon sen tabe, nye ouma net sen toros, atoudun ta zamoran yele ya. Mam zamza zamahato. Jese, boule ye sema ni or zoom, bilimame ngongwe mandien neba sikzinga ta furoga en furoga wa onwe talwi ngoromde ni tour ta ye la me nyoya israel neda joas biga sit yo shuwa bala when I'm konye panta to mandien neba nepta bisafa azino shoum neda sent to sur zamada ni zamada vont se ya bumninga Yongonamé, Dingy Liberal Liber Israel Neva Sek Zingoan Tigre Labia. Yikitis of a coin and panty, Tom Mandien Neva Tabisa Fan. Ye pre nep cobus tower Zinsa Tabo, Cobam net camphan, Borgo, Nero, Viro, Tibuk Villain Sarapoin. Ni Elabam ya. Biggest, ma'am, man, wamam sent. Mana. Mam Santa Sek Ziga Nore. Be a man, Wayam Sena Mana. Mam Nem Nib Nizib Sembe, Nemama, Sampe Badro. Be Yam Fame, Gubuk Sek Ziga, Pe Badro, and Kelame Yelia. Yazuswaba Nesidion and so. Azidone nip kobus tab nizib sin and tout nyewa ta sek ziga yun soka wakat ninga absente dekat gudba bampeba barda warugud nizi absen zara azidion neba sasa taba peba barro waruguda lab gad buku vilemsa neb guabga zar barda nebulitro en pebde la bam kilo amen yeten
su waya su soba ne jidion so bam ne kam fa ya sa zingi te gubu sek zinga sik zinga la tabise yikame en kilem en jwe ne ko bas tawa peba badla la su soba kitam tinde mi su fa sembe sek zingi wa ketab ne shuse amen amen je lis ok dans Juges chapitre 7 à partir du verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, descends. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec pour à ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp, et descends-y avec pour à son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a renversée sans dessus dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Et divisa en trois corps les 300 hommes et leur remit à toutes des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux et les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Séréa, jusqu'au bord d'Abel-Mehola, près de Tabat. Nous sommes toujours dans le thème proposé par la Jade. Barak ninga sambe, wenam wa massacre poa, la barak ninga sambe. Les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu et à l'instruction ou aux recommandations du Père spirituel. La conséquence de l'obéissance qu'un fidèle ou un disciple alors peut obtenir après avoir obéi à Dieu et à son Père spirituel. Dans le texte que nous avons lu, il y avait une situation de pas des moindres qui a entouré Israël. Depuis Juges chapitre 6, à partir du verset 1er, lorsque vous commencez la lecture, la parole de Dieu déclare qu'il y eut un temps. Où le peuple d'Israël a tellement suffisamment péché contre Dieu, au point où Dieu a retiré sa main du dessus d'eux et les a livrés entre les mains d'une coalition de trois puissances. Il y avait les Madianites, il y avait également ceux de Seir, il y avait Amalek. Donc ces trios sont venus avec de l'armement ainsi que des chevaux. Ce fut véritablement difficile. Au point que lorsqu'un homme d'Israël sortait pour aller travailler, il était purement chassé.
absa anti bude tu kora yiwe sek na ninkoro absam na kora. Mais après même qu'ils aient semé et que le temps de la moisson arrive, ils détruisaient toute la production. Alors c'était obligé pour Dieu de se remettre à rechercher un homme. Dieu enverra un ange auprès de la personne de Gédéon. Et Dieu, à travers Gédéon, devrait donc apporter le salut en Israël. Raison pour laquelle Dieu nous a tous appelés au nombre que nous sommes ici ce matin. Afin que nous soyons donc des disciples de Christ. Afin que nous soyons un peuple de Dieu mis à part. Dieu nous a encore appelés autant que nous sommes. Afin que nous prêchions l'évangile du royaume. Tout disciple a cette capacité d'évangéliser, d'annoncer la parole. Mais dans tout cela, il a mis à part des personnes qu'il a appelées. Et eux sont appelés des serviteurs de Dieu. Dans cette vocation, Dieu parle à ces derniers. C'est la raison pour laquelle, si vous observez donc dans les témoignages de nos pères spirituels, vous entendez, alors vous verrez de laquelle manière Dieu l'a appelé. Et la puissance de la vocation a fait en sorte que lorsqu'il prend la Bible, il est à mesure de lire. Et également, il y a bien longtemps, il a donné ses témoignages par rapport à ce qu'on a fait. C'était l'écriture qui était difficile pour lui. Mais Dieu l'a rencontré dans sa maison. Exactement comme l'ange qui a rencontré Gédéon. Il a appelé. Il l'a répondu. Et il l'a utilisé pour sauver des gens. Depuis le temps de la cellule. Jusqu'au jour où nous sommes arrêtés aujourd'hui, ce matin. Le ministère de l'église de Saxida a grandi pour faire et beaucoup de dames ont été sauvées et beaucoup d'hommes ont eu la vie. C'est évident et établi que c'est Dieu qui l'a fait. Je voudrais dire quoi dans ce monde? Quand Dieu a appelé Gédéon, Dieu a accompagné Gédéon. Mais Gédéon n'a pas travaillé seul. Non, il est vrai. Dieu a choisi Gédéon. Lui disant, avec la force que tu as, tu pourras délivrer mon peuple de la main de Madian. Et Dieu l'a dit, convoque mon peuple, dis-leur qu'il y a une bataille en face et qu'il se prépare pour qu'on aille se battre. Gédéon a effectivement accepté cette instruction. Il a convoqué tout le peuple d'Israël, les hommes en armes. Il leur a dit, sortez, car Dieu m'a rencontré. Et Dieu a dit, il est résolu de nous délivrer entre les mains des Madianites et des Amalécites. Mais il vous faut sortir afin qu'à l'unisson nous allons sur le terrain du combat. La parole de Dieu dit qu'il y avait 32 000 personnes qui ont répondu présents. Quand ils se sont présentés sur le mont de Gibeon, Dieu connaissait les cœurs. Quand il a regardé, il a trouvé que dans les cœurs, que le cœur du peuple n'était pas le cœur de Dieu. Ils sont le peuple de Dieu. Mais il n'avait pas un cœur pour Dieu. Ce n'était pas des gens qui étaient fin prêts pour ôter le propre de Dieu. Et pour que le Père Sultan parle, l'église soit pleine, c'est bon. Mais nous voulons des gens dans les cœurs et entièrement dédié à Dieu. Même si vous n'êtes pas nombreux, si Dieu est avec vous, vous triomphez partout où vous allez. C'est Dieu qui a été ainsi appelé. Lorsqu'il a convoqué les 32 000, j'ai dit à Gédéon, dis à mon peuple que ceux qui se sentent appelés, qu'ils retournent chez lui. Il n'y avait que 22 000 qui sont restés sur le champ. Ce n'était pas la moitié. Alors plus de la moitié. Il y a 22 000 qui ont quitté le camp.
mille. Il ne restait que les 10 000. Et je lui ai pensé qu'avec le nombre de 10 000, il pouvait remporter la victoire. Et Dieu qui lui dit encore, ce n'est pas les 10 000 qui t'accompagneront. Amène le peuple là vers donc. Je te le dis, faut distinguer les héros pour toi. Je voudrais que ce matin, toi qui es en train de m'écouter, que tu sois un héros, une héroïne qui va accompagner le peuple. Parce qu'il y a des artisans des terres, il y a des hommes des sites à l'horizon. Les matières sont couchées. Il y a des fils de l'Orient qui nous combattent. Il nous faut nous tenir debout et l'accompagner. Alléluia. Alléluia. Dieu dit à Gédéon, arrivé à l'eau, toutes ces personnes-là qui vont enlever l'eau de leur maison et ceux qui prennent soin de leur vie, ces personnes qui vivent par le réveil, ceux qui vivent par la foi, mettez les côtés, ils sont au nombre de 300. Ainsi que Gédéon lui-même associé, ils étaient 301. Alors là également, tout ça, ouais. Il y avait également 9 000. La courbe est sur ainsi 9 700 qui ont échoué au test. Dis à ton voisin donc que le Seigneur m'aide afin que je n'échoue pas à ce test au nom de Jésus. Alors les bienfaits attachés à l'observance de la parole de Dieu, c'est que Dieu a appelé son serviteur. Il a accepté l'appel. Maintenant, la bénédiction dont nous devons faire cas, c'est que lui il est Gédéon. Même nous faisons Israël Boutimbi. Vous et moi nous sommes le fils de Dieu halal. Et nous sommes des juifs véritables. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons nous lever et l'accompagner. Mais Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu, à chaque fois, Dieu propre a pris un homme. Lorsque Dieu s'est résolu de délivrer Israël entre les mains des Madianites, Dieu est passé par Gédéon. Alors, vous passez par Gédéon et délivrez son peuple. Voilà pourquoi, à chaque fois, Dieu est dans les cieux. Jamais il ne descendra pour parler. Il utilisera un homme. Il passera par un homme, passera par une femme, passera par un jeune homme, utilisera un faible, une personne illettrée pour parler. Ceux qui ont l'intelligence spirituelle, lorsqu'ils écoutent, ils vont arriver à triompher dans sa terre. Ils vont triompher devant les sorciers. Ils vont triompher devant les sorciers. Triompher devant les charlatans. Par la puissance, la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Par rapport aux 300 personnes, d'ici que nous arrivons au chapitre, le verset 9, Dieu reviendra encore à la charge. Il dit à Gédéon, voilà, maintenant là, lève-toi. Descends au camp de Madianites. Car je t'ai donné la capacité de les battre. Alléluia. 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 Dieu dit à Gédéon, même si tu crains, Pierre est le courant pourra. Amène avec toi ton serviteur pourra. Va et écouter les discours de vos ennemis et revenez. Tout le peuple de Dieu ici présent et toute l'église de Saxida. Il y a une chose qui a su. Au nom de Jésus. Tous nos ennemis adversaires ont déjà perdu la bataille. Parce que le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur nous accompagne. Et il fait en sorte que nous nous levons. Et mettons de côté la paix. Comptons sur Dieu. Et comptons également sur le Père spirituel. Nous allons remporter la bataille. Pas qu'il n'y a pas d'ennemis. Pas qu'il n'y a pas de tempête. Pas qu'il n'y aura pas de flot. Nous sommes plus que vainqueurs. Par la vertu de celui qui nous a aimés. Quand Gédéon s'est levé, et il a amené avec lui Pura. Arrivé. J'aime Dieu. Il est arrivé au Canada. Juste au moment où les soldats amalécites étaient en train de s'entretenir. L'un des soldats dit à son camarade soldat,
J'ai eu un rêve, mon camarade. Il dit, mais quelle était la teneur de ton rêve? Dans mon rêve là, j'ai vu un gâteau, du pain qui a été fait par de la farine d'orge qui tournait et qui venait vers les cailles. Je les regardais. Mais quand j'ai regardé le gâteau, là, le gâteau est venu jusqu'à frapper à la tente même de Madianite et elle est tombée. Que Dieu te fasse du bien. Amina, que Dieu te fasse du bien. J'aime Dieu. L'autre soldat dit, la révélation est l'interprétation de soldat. Nous venons d'avoir un problème là. Tu vois le père là? Tu as vu le père là? Et le père tournait. Ce n'est pas du pain. Il y a Israël ni de joie, n'est-ce pas là? Le père de cet Israélite, le fils de joie, Gideon. Vous voyez quelqu'un qui est en train de te parler du pain. Et tu mets cela de côté, tu portes une épée d'un homme. Depuis que je suis là, je suis là. Le pain également, vous pouvez le voir et comprendre que Jésus a dit, je suis le pain. Toute personne qui mange de ce pain a la vie de l'éternité. C'est ce pain là que le soldat a vu dans son rêve. Raison pour laquelle Paul a déclaré. Paul a dit aux Corinthiens. Il a dit de façon expresse. Que aucun des princes ou les chefs de ce monde n'a connu cela. Si les chefs de ce monde avaient connu cela, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire comme nous sur la croix. Ce qui veut dire que si le soldat Madianite avait compris que le pain qui a été fait de farine d'orge allait renverser les têtes, il allait empêcher le pain d'arriver à le camp. Mais il n'a pas compris cette révélation. Peuple de Dieu, nous marchons sur le terrain de la victoire. Grâce au nom de Jésus. Ce matin là, tout tabernacle et tout temple qui ressemble à la tente de Midian, qui ressemble à la tente de Amalek, qui ressemble à la tente de Petit-Gloria, au nom de Jésus, il sera renversé ce matin parce qu'il nous combat de face. Parce qu'ils nous combattent de face. Les hommes ici sont venus. Ils ont encerclé le pays. Le peuple de Dieu ne pouvait plus vivre. Toute force qui entoure l'église, qui entoure les femmes, qui encercle les pasteurs, encercle la chorale. Par la puissance du sang, la nouvelle alliance. Quand Dieu renverse le temps ce matin, écoutez. Le camarade a répondu à son camarade soldat. Comprends que c'est l'épée de Gideon. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Peuple de Dieu, décidons-nous d'accompagner notre Père spirituel. Et que chaque personne brandisse la parole de Dieu. Et que chaque personne vive de la parole de Dieu. Si nous avons la parole de Dieu, Satan ne craint pas une personne qui a fait des autres études ou bien qui a terminé la Bible. Qui parle à la fois morée ou français. Ou encore que moi j'ai des racines dans la foi que Satan ne fiche pas mal. Il a peur. De toute personne qui est avec Dieu, obéissant à Dieu, marchant avec Dieu. Voici le modèle et architectural de la personne qui est devant laquelle Satan t'attend. Si vous êtes dans l'église et vous continuez de pratiquer la fornication et la violence, vous êtes à la colonne, vous commettez la fornication ensemble, craignez même pas Dieu. Et vous avez même des copines, des copains, des gars au dehors. Bon, par rapport à l'alcool, là, vous sirotez ça totalement comme des cylindres de véhicules et vous continuez de vous initier à la sorcellerie. La jalousie fait monnaie courante dans votre vie. Les démons même vous identifient de face. Vous ne pouvez même pas les faire bouger. Si vous les commandez de partir, vous dites, prends garde à toi-même. C'est pas possible.
La parole de Dieu est une épée. C'est par cette épée que nous allons triompher. C'est elle que le Père spirituel prêche de matin comme le soir. Sa joie, c'est lorsqu'il verra le peuple de Dieu obéir à la parole de Dieu. Je mettrai à disposition de Dieu pour l'utiliser à hauteur, remonter dans tous les prêtres. Pose la question de savoir, est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Tu ne penseras pas toi ici. Ce matin, celui qui est là, tu es un homme de Dieu plein. Si je dis à une personne, une seule personne ici, que Jonas vient ici, je ne ferai pas mention de ton nom parce que. Alors, promène-toi parmi les hommes là. Choisis-moi un adultère véreux pour parmi les femmes là. Trouve-moi une femme caractérielle dans tous les sens du terme. Une femme vraiment terrible qui cuisine son mari avec du feu. Hein? C'est toi qui connais, c'est vous. Tu as la capacité. Faut aller dans ce sens-là. Tu vas trouver certains facilement. Jonas ne peut pas. Parce que si Jonas pointe le doigt, à moins que vous escortez Jonas pour aller à la maison, il s'arrive de chauffer. Donc merci Jonas. Mais Dieu viendra, lui il fera, il indexera, il choisira, il distinguera. Dieu arrive. Non, lui n'a pas froid à l'œil de qui que ce soit. Hey! Hey! Soura! L'épée! Y'a Gideon Soura! L'épée appartient à Gideon! Soura! Épée! Y'a Winam Soura! Qui appartient à l'éternel Dieu! Soura! Épée! Y'a Winam Goma! La parole de Dieu! Ringa! Pour cela! M'abtala Winam Goma Soura pour! Ai-je par devant moi la parole de Dieu dans mon cœur? Même j'ai ta Winde! Crains, est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Si tel est le cas, gloire au Seigneur Jésus. Dans le cas contraire, que Dieu use de miséricorde à notre égard ce matin, afin que nous obéissions à la parole de Dieu. À peine il a fini de parler, à partir de la portion du verset 15 au verset 22, maintenant, écoutez une chose. Voici maintenant les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand Gideon est revenu à Israël, il a dit aux 300 soldats, et cherchez-vous des cruches vides. Ils ont cherché des canaries vides. Ils ont cherché aussi des flambeaux. Ils ont cherché. Et prenez par devant vous des trompettes. Et chacun s'est trouvé une trompette. Nous sommes partis. Excepté des gens qui sont matures et qui comprennent l'affaire de Dieu. Qui peut partir en guerre avec des cruches, des canaries vides? Gideon, tu ne connais même pas la stratégie de guerre. Faut pas nous traiter comme ça. Les cruches là-haut, les canaries là-haut, c'est de Bassem Yam qu'on achemine ça à Ouagadougou. Et ceux même qui les portent là, prie Dieu pour que quelqu'un ne vienne même pas cogner les canaries. Vous savez, l'obéissance à la parole de serviteurs de Dieu pour la victoire. Hé, hey, amène des cruches. Ils n'ont pas discuté. Certains auraient pu dire. Non. Depuis qu'il y a la guerre qui existe sur la terre, je n'ai jamais vu une armée qui part en guerre avec des cruches. Ou bien? Oui. Eux-mêmes, ils allaient s'empoisonner là-bas. Vous voyez, quand on dit de faire quelque chose, il y a des gens au milieu des gens là qui empoisonnent les autres. Vincent. Et Vincent. D'amener des canaries demain à l'église. Tu as déjà vu. Tu as déjà vu un canari qui a renversé quelqu'un. Ce n'est même pas une épée. Lui, il ne va pas amener le canari. Mais il va empêcher une autre personne d'amener son canari vide.
Ils auraient pu aussi dire, mais une trompette fait quoi? Si nous ne sonnons les trompettes et que les ennemis s'entendent le bruit là, nous risquons de faire une sauve qui peut là-bas. Gideon. Si nous avons les flambeaux et que par hasard les ennemis récupèrent ce flambeau pour nous brûler avec ça, Gideon, d'ailleurs, même on ne parle pas. Non, ils sont sortis. C'est Dieu qui a. Ils savent que Dieu a choisi. Ils savaient. Le Saint-Esprit est en lui. Ils savaient. Que s'il l'écoute, l'Éternel combattra en leur faveur. Combien ont rejeté de conseils et ont péri faute de ces conseils? Fais ça et fais ça. Et tu mets cela de côté et tu fais ce que tu veux. Et certaines de ces personnes-là vivent dans des difficultés. Mais les 300 ont compris. Et ils ont cherché la cruche. La cruche symbolise quoi? La cruche là symbolise mon corps. C'est votre corps également. La cruche. Elle est tellement, c'est tellement joli. Mais un jour arrive où elle sera brisée. Il jarre. Une cruche est tellement jolie à voir. Mais un jour arrive. Elle est accidentée. Une pierre ou des enfants dans leur lutte là, ils vont tomber sur les Canaries. Ou encore, entre temps, il y a une fissure seulement qui se fait et les Canaries. Au moment où Dieu disait à Gideon détruire le peuple des gens, c'est que Dieu utilise le corps humain pour se déployer. Quand ils sont venus à la semaine de prière, c'est le corps qui va trimballer l'esprit pour venir ici. L'esprit veut la parole de Dieu. Mais si le corps ne le supporte pas pour l'amener ici, elle va avoir la parole de Dieu où pour recevoir. C'est le corps qui va se déplacer avec l'esprit et l'âme. Mais le corps que vous voyez, le corps est tellement utile. Si Dieu est avec vous, voilà pourquoi lorsqu'une personne meurt et qu'elle n'a pas Jésus, c'est vraiment des chaudes larmes. Une cruche se brise lorsqu'une personne décède, lorsqu'une jarre se brise et qu'à l'intérieur il n'y a pas de flambeau. Je reviens au niveau du flambeau à l'intérieur. Si ce sont des cafards qui le remplissent, ou encore des lézards, ou alors des serpents, ce reste des scorpions. Le jour du brisement de la cruche, la personne pourrait être dans l'église. Et vous l'amenez à l'église, le corps à l'église. Il était grand homme de Dieu. Et vous disiez, Raya Wenam de Kassang Meng Meng. C'était un grand prédicateur. Raya Wenam Kemwan Kassanga. Oh, il a servi le Seigneur. Oh, Aya Tumni, Susoba Tumne. Parce que demain, il came, Mone. Le pasteur va se lever et prêcher. La Rukanwara. Mais le jour du brisement de la cruche, l'année de Ming Nam Puki. Quand la véritable personne va apparaître, si elle est un homme de Dieu, qu'elle meurt prématurément, c'est pas un problème. Qu'elle meurt avec une rassasiée de jour, c'est pas un problème. À peine la jarre brisée, il y a du feu à l'intérieur. C'est ce feu là qu'on va utiliser pour aller l'enterrer. C'est ce feu qui est à l'intérieur. Le Saint-Esprit qui est avec lui là, il attend le dernier jour. Aucune dalle tombale ne pourra retenir les chrétiens. Les tombeaux vont s'ouvrir. Et les Saint-Esprit qui se trouvaient en eux vont transporter la personne à la rencontre de Jésus dans les airs. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Ils vont recevoir les instructions de leur pasteur. Il leur a dit, vous vous êtes vides. Vous êtes des cruches vides, remplis de jalousie, remplis de peur. Et même pas plus loin que ça, une femme est venue dire à Pierre, connais-tu Jésus? Et Pierre dit, je ne l'ai jamais connu. Parce qu'il n'y avait pas le feu à l'intérieur. Même je vous exhorte, après mon départ, restez à Jérusalem. Arrivez chez mon père, je rappellerai à mon père la promesse de Noël. Pendant les derniers jours, je répondrai de
mon esprit. Restez à Jérusalem. Restez ensemble. Restez dans la prière. Le feu viendra. Dans Actes chapitre 2. Verset 1. 2. 3. 4. Le feu a quitté les cieux. Et quand elle a apparu, arrivée dans la chambre haute, la Bible déclare qu'elle s'est divisée de cette flamme. Quand Gédéon a dit de prendre la flamme et de la mettre dans la cruche, cela veut symboliser dans Actes chapitre 2 tout homme de Dieu doit recevoir le flambeau du Saint-Esprit et le feu va se poser. Et j'aime le feu de Dieu. Ça ne consume pas comme le feu terrestre. Si ça consume comme le feu terrestre, tous les serviteurs de Dieu devraient être des cadres. Ils devraient avoir la calvitie. Mais le feu est descendu. Et le feu a pénétré l'intérieur. Pierre s'est levé et a dit, vous juifs, méchant père de Dieu, c'est vous qui avez crucifié Christ à la croix. Mais notre Dieu, par sa puissance, l'a ressuscité. Il est sorti des morts. C'est lui la vérité, le chemin, la vie et la vie. Accepte de recevoir ce flambeau. Voilà pourquoi certains, faut qu'on comprenne. Tu ne comprends même pas sa vie. La prédication qui est en train de sortir, la parole de Dieu qu'on dispense, quand on dit de revenir, on va chercher la puissance de Dieu. Lui, ça ne l'intéresse pas. Non, lui, il a découvert l'ouverture de sa cruche. Les gens jettent leur lotus là-dedans. Et certains qui sont même arrêtés. C'est un véritable vipère. C'est une vipère. Parce que lui, en tout cas, la cruche, elle est belle, mais à l'intérieur, il n'y a pas un flambeau dedans. Certains, si vous le côtoyez, il va vous mordre. Que ce matin-là, que le feu de Dieu reste descendant dans ta cruche. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Je lui ai dit, amenez avec vous des cruches. Le serviteur de Dieu, il ne prêche pas à des bancs vides. Il prêche à des hommes. Mais il voudrait des hommes remplis de la connaissance de Dieu. Je te pose la question. Dans ton cœur, là, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Il y a quoi là-bas? Il y a certaines femmes même qui veulent que son mari meure rapidement. Il y a certains hommes qui veulent que leur femme meure rapidement pour qu'ils changent de femme. Meurtrier que tu es, avec M majuscule, tu le veux oui ou non, il ou elle ne va pas mourir. Si tu n'arrêtes même pas ta prière, c'est toi qui vas te faire. Qu'est-ce dans le cœur là? Ils sont tellement rires. Mais dans le cœur là, il y a quoi dedans? Le jour du brisement de la cruche, personne ne le sait, mais Dieu révélera ta véritable identité. Qui tu es? Certains vont mourir, on va amener le corps à l'église pour dire que je suis en partage vers ma patrie. Et les protestants vont chanter ça. Ne pleurez pas. Et les protestants vont dire, il est allé au ciel. Adieu, à qui arzana banenge. En tout cas, la départie céleste, je suis en route et c'est vraiment merveilleux. Dieu dira aux anges qui s'occupent de réceptionner les convois funèbres. Ouvre le registre du livre de la vie là, et voici à son nom là-bas. Et on va commencer à tourner. Oui, Drogo, Kabore, Sandoro, Sawadro, Damima. Attention, il n'est pas mentionné un nom. Il dit, le nom, on dit où? Le nom là, ça n'est pas ici. L'ange dit que ça n'est pas ici. Et la chorale céleste se lève également. Elle dit que dans notre royaume ici, il n'y a pas de sorcier ici. Celui qui mange des âmes ton des gens ne se trouve pas ici. Dans notre royaume ici, il n'y a pas de méchants ici. Ici, c'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et ceux qui sont ici, notre patrie céleste, ça ne va pas aller nulle part. Ça ne va pas aller nulle part. Est-ce que ça va arriver?
nous sommes en partance. Et au niveau des anges de l'armée, c'est là, on dit, reprenez le couplet. On dit, dans notre royaume ici, un homme qui bat sa femme ne se trouve pas ici. Qui donne un coup de poing pour édenter sa femme. Dans ce royaume-là, un homme qui bat sa femme pour arracher ses doigts ne se trouve pas ici. C'est la joie et la joie. Dans ce royaume, des femmes caractérielles ne se trouvent pas. Une femme qui rejette, qui refuse son mari n'est pas ici. Une femme qui ne veut pas accepter les parents de son mari ne se trouve pas ici. Dans notre royaume ici, un calomniateur ne se trouve pas. Paix, joie et joie ici. Hey! Hey! Foya Anna! Qui es-tu? Foya Anna! Qui es-tu? On peut se voiler la face bas sur la terre, mais là où c'est pas possible, il y a une chose. Reçois la parole de Dieu. Reçois le Saint-Esprit en toi. Afin de ranimer la flamme. Afin que tu puisses accomplir le projet de Dieu. Israël, Soudan, ça. Chaque Gideon, quoi, les 300 soldats d'Israël ont écouté la parole de Gideon. La brique Barlon passe. Et ils ont amené avec eux leurs trompettes. Barlon m'a poussé. Les trompettes symbolisent la prière. Dieu dit à Ézéchiel, Oulou, Gosrejou, monte sur la tour de garde. Si tu vois venir l'ennemi, Yel, sonne le corps, la trompette et annonce à mon peuple de retourner la terre. Si tu publies, bole, si tu annonces, Kasake. Et qu'ils n'acceptent pas. Alors, les sœurs retomberont sur eux si les ennemis venaient à les mettre à mort. Mais si tu ne publies pas, si tu ne sens pas la trompette, pour les informer qu'ils sont surpris par l'ennemi, je te redemande. Voilà pourquoi le Père spirituel a sonné la trompette pour dire, venez pour une convocation d'une prière de 14 jours. Parce qu'il n'a pas appelé pour rien. Les Madiens se sont levés. Les sons de la montagne s'est. Amalek s'est mis en marche. La sonnette est tombée pour dire que tout soldat de l'armée de Dieu qu'il prenne sa cruche qui se symbolise de l'engagement, qu'il prenne le flambeau de la du Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, qu'il prenne son épée représentant la prédication du Seigneur Félicie, car il y a un combat à l'horizon afin qu'on ait à le temple de Madian. Car Dieu voudrait faire quelque chose. Car Dieu voudrait compter sur toi. Dieu voudrait te voir dans les parmes. Que Julien étant devant. Le Père spirituel étant devant. Et toi qui suis. Avec ton propre corps. Et toi qui suis. Par la puissance du Saint-Esprit. Et toi le suivant. Par l'obéissance à la parole de Dieu. Là tu t'associes à lui. Par la puissance de la croix, le Madiani s'entretuent. En vérité, au cours des 14 jours, que le Madiani tourne, ce sont ceux de la montagne de Seine, ce sont les avalésies, avec le son de la trompette, qui symbolise la prière, symbolise le cri à Dieu, et que par l'aide de Dieu, les ennemis vont s'entretuer. Alléluia! Alléluia! Chapitre 9 verset Hébreux chapitre 5 verset 7. Nawa, y'a le savez. Nous allons, c'est là que nous allons nous arrêter. Seigneur ben Carmen, Hébreux dans ma nous yo poi. Hébreux 5 7, que la personne qui trouve lise. La Jésus c'est d'abord. Quel est la Jésus? La Jésus c'est d'abord Junior Zuka. Ngewe. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Alléluia. Et ayant été exaucé à cause de sa piété,
Amen. Verset 7. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus en personne. Il a élevé une voix de prière. De hey, peuple de Dieu. Pourquoi as-tu fermé la bouche? N'as-tu pas entre tes mains la trompette? Voilà. Parce que lorsque Gédéon ainsi que les 300 hommes sont arrivés, chacun a mis son trompette. C'est une prière orientée vers Dieu. Nous n'avons pas de force. Dieu, tu vois le nombre des ennemis. Ils sont arrêtés et armés avec leurs chameaux, avec leurs épées. Seigneur, ils ont également ces trois équipes, mais nous devons. Le cri est parvenu aux oreilles de Dieu. C'est toi le calme, Hébreux, nous, le poète. Là où nous avons crié dans Hébreux 5, c'est pas Jésus, que même Jésus lui-même, il n'a pas été paresseux. Il y a eu un temps avec larmes, avec de grands cris. Le temps de sa mort n'était pas arrivé. Et déjà était décidé de le tuer. Il a donc crié. Il a prié. Et Dieu l'a fait échapper. Voilà pourquoi le Père spirituel nous convoque. Parce que nous savons certes que nous allons mourir. Mais nous ne voulons pas mourir avant les termes fixés par Dieu. Nous, Jésus a crié, il a appelé son Père. La bawa ferme la main. Et le Père l'a délivré. Puisqu'il avait pris la forme humaine qu'il était sur terre. Ce matin-là, que tend ta trompette? Sonne. Que ta trompette crie. Que ta trompette sonne. Et que au nom du son de ta trompette, les ennemis s'entretuent. Le verset 22 déclare que quand ils ont sonné la trompette, arrivé même au théâtre du combat, non, arrivé, le combat n'était pas fini, ils ont brisé le cruche. Quand ils ont fini de briser le cruche, ils sont allés également au niveau du Saint-Esprit, ils ont soulevé le flambeau et ils ont élevé la voix. Et Dieu des cieux a fait en sorte que a retourné les ennemis les uns contre les autres. Et très succinctement, le Saint-Esprit, quand il a conduit Gédéon et que les 300 ont obéi, Israël a recouvert l'intégralité de son territoire. Que Dieu fasse en sorte que nous accompagnions le Père spirituel jusqu'à ce que l'Église retrouve sa paix. L'Église retrouve son intégralité. Que l'Église revive avec joie au nom de Christ, le vainqueur à la croix. Amen. Amen. Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.